D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Lug 4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une nouvelle vidéo pack opening. Donc il y a des très très bons coffres. Il y a, comme vous avez vu, le coffre géant, le coffre de saison. Il y a un petit coffre de défi aussi, j'ai fait une victoire, bon c'est pas beaucoup mais bon. Ça reste quand même un petit coffre de défi. Donc voilà, on va faire ça en vidéo, petit pack opening. Donc là vous voyez que mon géant, je vais déjà augmenter au niveau 10. Il en manque quelques avant de le passer niveau 10, donc voilà. Donc voilà, dites-moi d'ailleurs si vous voyez sur l'écran des petites zones rouges, comme en bas par exemple, en bas on voit des petites zones rouges, des petites raies rouges, donc dites-le moi. Donc là on a 100 d'or pour le petit coffre gratuit, 2 gemmes, ensuite on a 1 chevaucheur de cochon, et pour finir nous avons 12 gargouilles. Donc là on va faire le deuxième coffre gratuit, donc là encore une fois 3 cartes, 93 d'or, 3 cartes. On aurait pu passer une légendaire, mais en fait non, pas de légendaire, du coup 2 gemmes, une méga gargouille et 12 petits gobelins. Ensuite on va passer au coffre en argent parce que c'est les plus, on va dire les moins importants en quelque sorte. Donc c'est parti pour les coffres en argent. Donc on a 72 d'or, on a un tracteur d'élixir, on a ensuite 12 zaps. Bon c'est pas ouf hein, coffre en argent de toute façon c'est pas extraordinaire. 84 d'or, une méga gargouille et 12 gargouilles, là aussi c'est pas ouf mais bon, ça c'était un coffre en argent. Ensuite coffre en or, 243 d'or, une gargouille, 6 archers, 29 bombardiers, et pour finir donc on a même pas des piques, on a 5 mini PK, même pas des piques. Donc là on va passer je crois au coffre, ouais coffre de défi ou coffre à couronne, on va voir. Coffre à couronne, donc 651 d'or, 2 gemmes, 1 grison, 32 esprits de feu, 42 chauves-souris, et là aussi pas d'épique, du coup 7 cochons, 7 chevaucheurs de cochons. Donc voilà, maintenant on passe au coffre du super défi, donc 1900 d'or, je me retrouve avec 63 000 d'or, donc c'est pas mal. Un petit squelette, il reste 2 cartes, 3 grisons, et 26 esprits de feu. Donc voilà. Donc là on a le tirage bientôt qui va arriver, il arrive dans bah, du coup 19h, comme vous voyez sur la vidéo, mais bon, moi je l'aurai déjà quand la vidéo sortira. Donc voilà, petit défi 2v2, à la fin on peut gagner un coffre légendaire, donc c'est plutôt pas mal. Donc là on va faire le coffre coffre géant. Donc c'est parti, on a un petit peu d'or, 860. 9 guérisons. Ensuite 3 cartes. Je me suis dit 3 cartes, attention, je me suis dit légendaire, mais en fait non. Donc on a un mini PK, enfin un PK pardon, un PK. 229 chauves-souris, et pour finir du coup de l'épique. En fait il nous aurait fallu 2 épiques avant l'avant-dernière carte pour avoir une légendaire. Du coup là 48 béliers pardon, 48 béliers. Et donc pour finir nous avons le fameux coffre de clan. On a fait 10 victoires, enfin niveau 10, niveau 10 sur 10. Donc là on a bien réussi, la dernière fois c'était 9 sur 10 donc c'était pas ouf. 1620 d'or, donc j'arrive à 65 000 d'or. On a un gobelin sarbacane, 47 zap. Ensuite 53 chauves-souris, 12 guérisons, bientôt niveau 8. 14 valkyries, il reste 2 cartes, attention, 141 esprits de feu, et on a donc du coup 2 épiques, 2 tornades. Donc voilà, au minimum, on devait avoir au minimum 2 épiques dans les coffres de clan. Donc du coup, bon, on l'a eu à la fin, donc du coup, pas de légendaire. Donc voilà, pack opening, je pensais avoir vraiment 2 meilleures cartes. J'ai pas eu de légendaire, les épiques étaient vraiment pas extraordinaires. Donc je t'en de faire la vidéo, dites-moi si vous avez des petites rayures rouges sur l'écran, parce qu'en fait je crois que c'est mon logiciel de rec, pour rec l'écran qui bug. Donc voilà, dites-le moi, et je pense que vous verrez comme moi, il y a des petits bugs, donc il faut que je règle ça. Donc voilà, bah, en tout cas n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo, à commenter la vidéo, à partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, ciao.